Enceinte de 37 semaines, la conseillère Laure Le Tartre-Lavoie accouchera d'ici peu. Comme tous les autres élus, elle n'aura droit qu'à 18 semaines de congé parental. 18 semaines, ça équivaut à ce qui a été accordé lors de la première loi de congé de maternité au Québec en 1979, donc ça date de 45 ans. La conseillère s'est rendue à Québec mardi avec le regroupement des jeunes mères au municipal pour rencontrer la ministre André Laforêt. Les élus demandent que la loi soit changée et que le nombre de semaines de congé parental soit augmenté à 50, au même titre que le régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. Actuellement, je ne sens pas que j'ai beaucoup de choix, puis je suis même pas sûre que je vais être capable de faire 18 semaines parce que je ne peux pas assister à distance. Et moi, je ressens une pression de revenir le plus vite possible parce qu'il y a des projets qui me tiennent à cœur, que je travaille, des dossiers à l'hôtel de ville, puis ça me tente pas de me dire « Hey, parce que je suis pas là, y a-t-il un projet qui pourrait tomber? » La Fédération québécoise des municipalités veut également que la loi soit modifiée. Sa deuxième vice-présidente, Audrey Boisjoli, a elle-même eu deux enfants lors de ses mandats à la mairie de Saint-Félix-de-Valois, dans la Naudière. Simplement le fait de devoir retourner après 18 semaines alors que ton enfant a 4 mois, c'est sûr que c'est très anxiogène. Ça peut être un frein, dans le fond, à l'engagement des futurs élus. Et on est à 2 ans des élections. On sait qu'il y a peu de jeunes en politique. On travaille ardemment depuis plusieurs années à la Fédération. Un long congé parental a des bénéfices autant pour les parents que pour les enfants. C'est vraiment le développement du côté maternel, mais aussi du côté paternel, fait que de redéfinir leur rôle social, un nouveau statut qui vient d'arriver, qui est celui de parent, bien, ça demande une adaptation qui, on dit, franchement, la première année facilement, la première année aussi est importante dans toute la sécurité de l'enfant, dans tout son développement émotionnel. Pour favoriser la conciliation travail-famille, les élus demandent aussi de pouvoir assister aux séances du conseil en téléconférence et d'avoir accès au vote par procuration. Par écrit, la ministre Laforêt dit prendre le temps d'analyser ses demandes et travailler déjà sur des mesures. Au Québec, en 2021, les femmes représentaient 39 % des conseillers municipaux. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke.